En fait, c'est comme une défaite ce soir, parce qu'on pouvait sortir d'ici avec les 3 points et on sort avec 1 point, donc on est très frustré. C'est ça, il faut trouver qu'est-ce qui manque, parce que c'est pas le premier match qu'on s'est fait punir comme ça. Et c'est des points qu'on perd, qui sont points importants. Et franchement, il faut voir qu'est-ce qu'on fait pas bien, parce que le match c'est 90 minutes. Et parfois, on arrête de jouer. Il faut corriger ça, parce que l'équipe, il y a beaucoup de qualité pour faire. On a la balle de 2-0, voilà, on la met pas au fond. Et derrière, on n'est pas à l'abri de prendre un contre. Et c'est ce qui est arrivé, voilà. Malheureusement, aujourd'hui, on perd encore des points à domicile, en menant au score à 5 minutes de la fin. Je pense qu'aujourd'hui, ouais, on peut vraiment être déçu, énervé même. Ouais, ils nous ont embêtés quand même sur la deuxième mi-temps, ils étaient bien en bloc, ils avançaient ensemble. Ils attendaient nos paires de balles pour nous faire mal. Et ouais, comme je dis, derrière, on a les balles pour tuer le match. On les met pas et je pense qu'aujourd'hui, on a manqué d'efficacité dans le dernier geste. Défensivement, on avait été costaud, on avait fait les choses correctement, on n'avait pas forcément concédé de grosses occasions dangereuses. Et voilà, on prend ce contre à la fin qui fait un petit peu mal à la tête quand même. On est déçu, pas abattu, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce match. Match nul, vous l'avez dit, match nul au niveau du résultat. Sur les situations, vous avez encore ce soir 21 tirs, vous avez 6 cadrés, vous avez plus de situations favorables que notre adversaire. J'ai vu moi des joueurs qui avaient envie d'aller chercher cette victoire, même après l'égalisation. Il y a du positif dans... C'est pas bien, il y a du positif alors qu'on a du mal à gagner. Et voilà, ce qui est décevant ou ce qui nous fait mal ce soir, ce qui nous déçoit, c'est qu'il y a une redondance dans les scénarios où on est capable de mener, on est capable d'aller marquer des buts à notre adversaire et on n'arrive pas à tenir ce score. Pour moi, c'est qu'une question de temps. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. Le deuxième but, il était vraiment pas très loin. Il y a un très bon gardien en face qui a maintenu Auxerre dans son match. Et voilà, c'est comme ça que j'analyse ce match. Oui, c'est aussi dû à un adversaire qui doit aller chercher un résultat. Ils ont beaucoup reculé, mais les grosses situations, elles sont encore pour nous. On a Mama Baldé, on a Wilson Odebert qui ont deux énormes situations. Effectivement, à 2-0, le match n'est plus le même. Ça n'a pas été le cas et ça a permis à Auxerre de revenir. Et tous les matchs sont importants, celui de Paris l'été, celui de ce soir l'été. Moi, j'ai envie que ce stade de l'Aube y voit une victoire. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas gagné ici. Et on est à 14 points en 14 journées. On attend plus et on espère contre à Brest faire aussi une bonne prestation et oui, aller chercher des points là-bas.